Eh bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve sur Destroy All Humans pour poursuivre l'aventure. Donc, c'est parti. On démarre directement la nouvelle mission. Hop. Alors, sachant aussi que dans les derniers épisodes, j'ai vu dans vos commentaires que certains me parlaient des troncs cérébraux à récupérer plus régulièrement. Parce qu'effectivement, j'y pense pas spécialement en partie. Je le fais jamais, hein, autant se le dire. Et on m'a rappelé que ça me permettait également de gagner de l'ADN. Et j'avoue que je me souvenais pas que ça faisait ça dans ma tête, c'était juste pour me soigner qu'il fallait les récupérer. Et je me souvenais pas du tout que ça me permettait aussi d'avoir de l'ADN en plus. Donc bah, si c'est le cas, effectivement, c'est quelque chose d'important à faire. Après, je vais pas vous mentir, c'est quelque chose que je trouve assez long, malheureusement, de récupérer un tronc cérébral. Bon, ça prend du temps. C'est pas forcément palpitant, donc je pense pas que je vais le faire pour autant. Mais en tout cas, j'ai bien lu les commentaires et effectivement, dans l'idéal, il faudrait que je le fasse, quoi. Après, je vous dis que c'est un peu long et je trouve que General Armquist, good of you to come. c'est pas le plus Thought you intéressant à might faire non plus, be quoi. too busy running damage control out in California. Never too busy to watch the Air Force fall flat on its face, Jack. Corporal Patterson, let's show our guests what this bottle rocket can do. Ah, ça y est, il fonctionne. Vertical takeoff and landing. How do you like them Ah, apples? ouais, il fonctionne, ouais. Bah, il arrive à décoller, hein. That's it? That's your ultimate weapon? Patterson! Get over there and tell McGillicuddy to get that bird in the air right this second, or he's gonna be testing go-karts for the next 20 years! $40 million for that? J'avoue que ça fait un peu cher, quoi, le crash. J'espère qu'il y a une bonne assurance dessus. Un avion novateur s'écrase. Il parle de sabotage. L'autre, il évoque l'incompétence. Ouais, je pense aussi. Je pense aussi, effectivement. Quist is inspecting their primitive aeronautical contraptions, which you sabotaged. We'll crush their pitiful air defense forces and destroy Armquist once and for Ah, mais il all. avait pas réparé depuis Let qu'on me l'avait just saboté load la up the dernière fois. Je old pense qu'il l'avait réparé entre disintegrator temps. and I'll be off. Ok, l'armée ne No! doit pas être alertée. Listen, Crypto. At this very moment, they are preparing a nuclear device for testing in a nearby weapons range. A nuclear Il faut que device? j'aille à la zone d'essai du coup. Don't sweat it. That monkey's as good as dead. Il faut que j'aille à la zone d'essai. Alors oui, vous voyez en bas, hein, du coup, le petit rappel. Donc je peux alerter la police, mais pas l'armée. Du coup, il y a un seuil, c'est vraiment un des seuils les plus hauts. Mais bon, dans tous les cas, on va essayer de ne rien alerter du tout. Ce sera beaucoup plus simple. Enfin, plus simple. Avec moi, rien n'est simple. La furtivité, j'ai un peu de mal. Attendez. Ah oui, alors. Il faut que j'ouvre ici, je pense. Voilà. Hop. Nickel. Alors, pour l'instant, la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas l'air d'y avoir de capteur, enfin de détecteur pour moi. Ok, implanter un ordre, donc ça, c'est une action pour la quête. Donc, c'est bien sur lui. Je fais attention parce qu'effectivement, si j'appuie sur E sur la mauvaise personne, vu que c'est la même touche, ça lui enlève le tronc cérébral. Donc, forcément, c'est pas tout à fait la même action. Ça risque de compromettre un petit peu la mission. Juste légèrement, hein. Danger, ouais, bah ouais, tu m'étonnes. Ça peut faire des gros trous, ça, un peu, non? Légèrement, Qu'est-ce qu'on va faire? Il avance à 2 à l'heure, hein, le camion. Il est en mode j'ai pas envie d'exploser. Alors, escorter l'engin nucléaire jusqu'à la base. Très bien. C'est pas un peu bizarre d'avoir juste un seul militaire qui le suit comme ça? Non, mais tout va bien, hein, ça fait partie de mon boulot. Je suis censé vous suivre comme ça en courant. Voilà. Par contre, je vais avoir un gros souci. Non, ça va, s'il y a des personnes sur la route. La soucoupe volante juste à côté. Mais attendez, c'est même pas la mienne elle est derrière en plus. C'est quoi celle-là? C'est la leur? Bah non, je pense pas, si, je sais pas. Quoi? Attendez, attendez, quoi? Ils m'ont repéré?
Pourquoi il tire sur l'engin? Je comprends pas pourquoi il leur tire dessus là. Ils sont pas censés être ensemble. Je crois que j'ai pas suivi un truc. Non, non, non. Ah, c'est bon. Oh. Alors je m'en doutais un peu de celle-là. Je m'en doutais un peu. En fait, juste le problème c'est que j'étais en train de réfléchir, de me dire mais attendez, je vais me faire détecter si jamais j'enlève les vaches du chemin. Bah ouais, je vais me faire détecter, non, je peux pas les dégager les vaches. Bah ouais, mais moi je veux bien. Hein. Ou alors je les fais exploser avant. Hein. Ouais, ça faut que je me fasse détecter, hein. Tant pis. Hein. Tant pis, j'ai pas le choix. Ce sera plus simple. Hein. J'ai bien fait le pince. Enfin, ce truc principal là. Alors, par contre, jamais on arrivera jusqu'au bout. Hein. Bah oui, je sais, mais bon. Je suis censé faire quoi aussi? J'espère que c'est pas loin, hein, parce que sinon. Attendez, il va falloir que je dégage tout le chemin. Là. Ah, éliminer les soldats avec des rochers. Ça, c'est l'objectif secondaire, du coup. Bah voilà, c'était là. Ah, ça va, hein, ça n'a pas fait de gros dégâts au final. Ok, non, mais le début. En fait, le début, je pense que j'aurais dû mettre directement en alien. Hein. Genre, j'ai pas du tout capté qu'il allait se faire attaquer comme ça. Ah, ouais, et en plus, ça a save. Ça a save mon start totalement loupé. Mais c'est horrible. Ah, parce que moi, je l'ai regardé en mode. En fait, au début, j'ai cru que c'est moi qui avais fail. J'étais en mode, ah mince, ils m'ont grillé et tout, qu'est-ce que j'ai fait encore, tout ça. Et en fait, non, c'était pas ma faute. Oh non. Oh. Non mais là, ça va être horrible, hein, parce que le start étant mauvais, il faudrait limite que je recommence du début. Après avoir, parce que il y a quand même des saves régulières, donc il y a moyen qu'ils me fassent passer des caps petit à petit. Ouais, non, là je retourne aux mines, ok. Mais par exemple, les mines, j'étais pas arrivé en fait. Aïe, aïe, aïe. Ouais, sinon. Meilleure solution. Ah, y a encore un mec ? Mais puis, il est où ? Alors, je vois le point, il devrait être là-bas. Ah, il est en haut. Ok, bon, trop tard. Hein. J'espère qu'il va pas reviser, hein. C'est horrible, ça va être trop dur. Ah, ça saoule, le start est nul en fait. Le problème c'est que j'ai 2 PV. Je dois faire la mission avec rien de PV. Juste parce que j'avais pas compris le début. Ah, là. Ah, c'est chiant là, ces vautos là en plein milieu. Ou alors il faudrait qu'ils me remettent full life, mais là c'est horrible. Toi, tu t'en vas. Regardez la vie du truc en fait. Puis là, le temps que j'arrive. Ah, mais ça, faut passer dessus. Attendez, depuis le temps. Depuis le temps que je les vois, ces drones, et que j'ai pas compris qu'il fallait que je passe là-dessus. Mais non. Ah, c'est ça qui a fait ma dégâts en fait. Bah ouais. Mais attendez, je peux pas redémarrer le niveau là, please. Ce sera 1000 fois plus simple. Je peux même pas vraiment. Bon, je vais faire une dernière tentative, sinon je redémarre le niveau à zéro. Parce que là, regardez la vie que j'ai en vrai. Genre, j'ai trop loupé le début. Le début, je l'avais pas compris. Et à chaque fois, en plus, je me fais avoir ici. À chaque fois, j'oublie qu'il y a eux aussi. Aïe. Il est où? Il est là.
faire un dernier mec. Ok, voilà, bon, je suis passé, mais c'est pareil, je vais avoir 2 PV quoi. Oh non, il y avait une autre mine. Oh là là, je suis passé, mais il y avait une autre mine. Ah, en vrai, je suis quasiment arrivé. Bon, je vais le retenter alors, du coup. Hein. Ça peut passer, ça peut passer. Ça peut passer, mais bon, je perds beaucoup, beaucoup de temps juste parce que le début était pas compris. C'est vrai que c'est un peu frustrant là, pour le coup, le fait qu'il me fasse respawn de suite. En fait, là, j'aurais préféré, vous voyez, qu'il n'y ait pas de checkpoint et que je respawn. Que je respawn avant, quoi. Au tout début, au final. Ok, toi tu vas là-bas. Par contre, oui, il faudra que je vois là les genres de drones en fait. Faut passer dessus alors, apparemment. Faudra que je vérifie sur d'autres. J'ai pas vu ce que ça m'a donné par contre. Je sais pas si j'ai pas oublié une mine encore. Si. Aïe. Ah, mais il y a encore des mecs! Non, il y avait marqué que c'était bon, il y avait marqué que c'était validé. Ah là là, je suis arrivé quasiment à la fin. Moi, je vais recommencer les amis, parce que là, je vais recommencer des milliers de fois, sinon ça se trouve pour rien. Il vaut mieux que je recommence toute la mission, je pense que je vais gagner du temps. Du coup, on part sur une petite ellipse, puisque je vais être obligé de rejouer tout le début aussi, en faisant ça, ce qui est un peu dommage. Et dès que j'arrive à peu près où j'en suis là, du coup, on se reprend derrière. Désolé du coup pour les multiples essais, mais voilà, encore une fois, c'est vrai que le checkpoint, il fait mal quoi. Redémarrer avec un mauvais start comme ça, c'est horrible. Ok les amis, j'ai réussi à terminer le transport du coup du convoi nucléaire, sachant que bon en soi il y a eu une petite ellipse qui vous a passé, voilà un petit trajet dans la base militaire, mais c'est pas passé grand chose de plus, hein. J'étais aux portes de la base militaire la dernière fois quand on s'arrêtait ensemble. Et là voilà, j'ai juste été un petit peu plus loin sans vous, histoire de terminer le convoi, voilà. Parce que j'ai eu quelques petits soucis aussi à passer vers ici, il y avait toujours un petit truc qui allait pas, genre il y avait des explosifs qui explosaient mon véhicule alors qu'il n'y avait plus aucun ennemi, il y avait ce genre de truc et tout. Donc c'est vrai que j'ai dû recommencer plusieurs fois, du coup voilà, je vous ai passé ces petits passages là, le côté un peu laborieux. Donc on arrive ici et du coup je dois activer l'engin nucléaire. Je vais peut-être m'éloigner un peu d'ailleurs, non c'est bon, il y a la cinématique. Donc allons-y. Et je confirme, vous savez les genres de... Enfin, ce que j'appelle des drones, c'est même pas du tout des drones au final, hein, mais... What? Ok, ça a rien fait au final. Ah, faut que je les empêche. Ok, de les amorcer. Ok, on va utiliser le décor un peu. Pousse-toi. Bam. Ah oui, d'ailleurs un truc qui m'a bien aidé, c'est justement d'utiliser beaucoup plus le fait de propulser. Attends, mais t'es qui toi? Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais déjà là? Des amorçages? Comment ça? Ah mais je l'avais pas vu lui. Ah mais oui, parce qu'ils sont bleus sur ma map, attention. Attention. Mais effectivement le fait de, voilà, de projeter, ça me fait gagner du temps plutôt que de les tuer avec le laser. Plutôt que de les tuer avec ça, bon là il y en a 3 donc c'est mieux. Mais sinon de les propulser, c'est vrai que ça fait quand même gagner du temps. Hop, on les dégage un petit peu. Hop. Ok, j'en ai eu un pour le facultatif. Attendez, c'est les soldats ou les... Mince. Il est où? Il est là. Ok, il m'en manque encore un à tuer avec les missiles. Vas-y, envoie. J'ai encore loupé? Je suis mauvais. Là. Là, je lui pose à ses pieds, il est mort. Oula. Oula là, attention. Ok, 2 minutes à tenir hein, comme ça du coup. Pour l'instant ça va, je vous dis juste à les propulser. Surtout qu'ils vont pas essayer de le détruire. Ils vont pas essayer de le détruire, ils sont obligés de désamorcer. Donc en soi, j'ai juste à les projeter. Et en plus ça revient à zéro, ça repart pas là où ils en étaient. Donc ça va en vrai. Et donc oui, ce que je disais c'est que les genres de petits trucs mécaniques là, ou robotiques ou quoi, sur lequel je suis passé tout à l'heure, j'en ai trouvé un autre, donc j'ai vérifié. Et effectivement, quand on passe dessus, ça récupère de l'ADN directement. Donc c'est un autre moyen d'en avoir aussi. Et j'avoue que j'en suis peut-être au milieu du jeu, j'en sais rien, où j'en suis dans l'histoire. Mais bon, ça fait quand même pas mal de temps que j'ai passé dessus. Et je viens tout juste de m'en apercevoir. Quoi, c'est un truc dingue. Par contre, tu vois, j'aurais dû le récupérer. Ça a pas voulu me le prendre. Bon, le problème, c'est qu'en faisant ça, je les one-shot pas.
want to see rage against these machines. Je les one-shot pas forcément. Ouais, s'ils prennent quand même cher. Oh oh, ok. Allez, ça devrait suffire. Ça devrait suffire. Je vois qu'il y a un point bleu par ici. Il est où? Ah, c'est celui que j'ai envoyé là-haut. Bon, il va pas descendre. Hein. Qu'est-ce qu'il y a? Monter à bord. Ah, monter à bord la soupe. Oh, bien. Ok, salut. Ah oui, 30 secondes par contre. Ok, ok, vite. Vite, vite, vite. Bon, du coup, sur tous les prochains épisodes, faudra que... Et puis la suite de l'aventure, quoi, d'une manière générale, faudra que je fasse attention à bien récupérer... tous les trucs que je vous ai dit justement pour récupérer un max ADN aussi. Enfin, ça donne pas non plus énormément il me semble, mais bon, c'est toujours ça à prendre. Mais j'avoue que je l'ai vu par hasard, je pensais vraiment que c'était un truc ennemi. En plus il y avait un point rouge, donc c'est comme si c'était un truc ennemi. Et au final, en plus c'est ça, on pouvait pas interagir avec, on pouvait pas le casser ni rien. Et en fait il fallait passer dessus, qu'il fallait le savoir. Aïe aïe, ça c'est une bonne petite explosion par contre. Alors ils vont dire qu'il s'est passé quoi du coup. Drapeau militaire explose, les citoyens couverts de gloire sous une pluie de drapeaux américains. Ok. Armquist, you want to explain to me why our troops are abandoning Area 42? They're not leaving, they're regrouping. Tout est sous contrôle. J'adore à chaque fois. So the airfield hasn't been destroyed by one of our own nukes? It's that commie spy from Santa Modesta. He got in somehow, messed with one of our experiments. Don't worry, I'll catch him. That's what you said in Santa Modesta. Frankly, General, I'm beginning to question your... Et il commence seulement à douter de sa détermination. Oh, resolved, right. That explosion c'est pas la détermination le problème, hein. C'est peut-être les compétences. You're saying this communist spy has a personal vendetta against you? Maybe you don't get the mindset we're up against. No, no, General. I'm taking you very seriously. The President should hear this. Get back to Capital City. I don't take orders from you. In this matter, I speak for the President. You know that. Mm-hmm. Oh, majestic. Il se fait taper sur les doigts, lui, un peu. Bon, en même temps, sous son commandement, vu tout ce qui arrive, bon... Et maintenant on prend un chasse avec la soucoupe. Oh, ce serait tellement stylé en vrai. Bon, j'y crois pas trop. Quoique. Quoique. Est-ce que ça va être un vrai niveau? Non. Peut-être, on sait pas. Peut-être le prochain, hein, qui sait. Oh, ce serait marrant un truc aérien comme ça où justement il y a des hélicos et tout aussi à gérer. Ça pourrait être assez cool. Bon, du coup. J'ai pas mal de ressources à dépenser. Le rayon, je peux améliorer quoi? La capacité, je vais faire ça, je pense. Hop. Le rayon désintégrateur est quand même plutôt bien. Il peut servir. Ok, et donc là, la zone, c'est quoi? On revient à la deuxième zone, c'est ça? Ok, let's go. Let's go, let's go. Les images de chargement sont assez sympas quand même, je trouve. Toiles défensives automatisées ouvriront le feu sur tout intrus dans le champ de vision. Choisissez le bon déguisement. Mais c'est quoi? C'est les trucs anti-aériens? Ah non, il y en a aussi au sol. Crypto, I need data on the structural integrity of the local architecture. I'm activating our latest F-800 drones. Bon, pas de course poursuite, hein. Let me guess. You need me to babysit. Ok, rendez-vous là, l'emplacement marqué. Ah, juste. Bah, c'est vrai que j'étais pas obligé de me faire repérer au début. J'aurais pu jouer un peu plus safe. Bah, attendez, il y a toujours moyen. Hein. S'il y a personne qui me voit là, hop. Voilà. Ok. Donc l'emplacement marqué, allons-y. Il n'y a plus de petits trucs à récupérer par contre là.
Ouais, tout ce qui est rouge, ce sont les policiers là. Et là c'est une toile. Oh. Quoi? Ah si, il y en a un là à gauche. Ah non, mais il est pas marqué rouge lui en fait. Hein. J'étais... Mais what? J'étais persuadé que c'était noté d'un point rouge sur la map. Regardez, c'est ça normalement, si je passe à travers, hop, 100 points d'ADN. Bon, fallait savoir encore une fois que c'était un truc à collecter. Mais bon, mieux vaut tard que jamais. Ah, attendez, je vais me retransformer en plein milieu de la rue. Tout va bien? Non, ça a pas marché. Ah mince, il y a lui devant. Là, ça devrait fonctionner puisque personne m'a vu. Vu que j'étais caché. Ok, bon, ce coup-ci c'est bon. Donc j'ai pas vu tout à l'heure pourquoi ça me l'a fait disparaître. J'ai peut-être. Peut-être disparu avec le temps sans que je fasse attention. Ah, protéger le drone, détruisez une tourelle d'artillerie. Ok, bon bah du coup. Du coup, c'est rien d'être fufu quoi, c'est ça. Le problème que ce soit guidé, les tirs, c'est que j'ai pas pu viser le truc explosif. Du coup c'est quoi? C'est ça là que je dois devoir tuer, en détruire. Ah, faudrait que je capture l'un d'entre eux à la limite pour m'aider, tiens toi. Ok, j'ai un mec qui va se battre avec moi pour ça. Ok, rendez-vous à l'emplacement marqué, donc pas besoin que je me batte ici. À mon avis, ils vont me suivre, hein, par contre. It is imperative that we first collect our data on how so I do get the blow, right? Let's not go. Détruisez un lanceur, c'est quoi, c'est celui-là là-bas encore? Il y a moyen que ce soit. Hein. Ouais, c'est ça. Et d'ailleurs, je crois que j'aurais dû le faire exploser avec les trucs qu'il y avait autour. Ça aurait été plus simple. Il y avait déjà des paradis explosifs autour. Ouais, je vais changer d'allié. Hop. Hop. Ah, mais attendez, c'est mon pote lui. Oups. Ok, 17 secondes, normalement ça le fait. Attention aux explosifs, que ça fasse pas sauter mon drone non plus. Ok, nice. Maintenant, faut que je fasse quoi? Monter à bord, ok. Let's go, à bientôt. Salut. Oh, la vitesse de déplacement, j'adore. Ah, attendez, lui du coup maintenant. Non, on va passer à côté, donc ça donne 100 d'ADN à chaque fois, hein. Ça a l'air d'être régulier. Donc bon, je vous dis c'est pas non plus énorme, à moins que j'en récupère pas mal. Mais bon, disons que si je les vois, c'est toujours bon à prendre. Par contre... Ouais, ça va, j'ai la soucoupe. Parce que j'allais dire, à pied, gérer tout ça, un peu compliqué. Alors c'est vrai que dans le mode libre, on a le choix justement quand on veut jouer à pied ou avec la soucoupe ou quoi. Alors que là, dans le mode histoire, on est obligé de suivre ce que eux nous disent. Anéantissez... Ah, carrément la ville, genre? Détruisez les structures militaires. Attendez, c'est quoi, ça? Ah, c'est un nouveau truc que j'avais pas vu provoquer. Des explosions lors de l'impact causant des dégâts dans une large zone. Vous devrez récupérer des munitions plusieurs fois avant de pouvoir activer un seul tir. À 100%. Comment je récupère les munitions là-dessus, par contre? Oh.
C'est stylé. C'est très stylé. Je sais pas comment je récupère les munitions par contre. Comment on récupère les munitions? Non, comme ça c'est pour me heal. Mince, je sais pas comment je récupère les munitions moi là-dessus. Ok, là, je peux pas lancer. Mais ouais, non, j'ai un doute là. Comment je récupère des munitions? Ou alors c'est les transmutations qu'on peut faire là-dessus aussi. Ah, c'est ça? En fait, ça marche exactement pareil que quand on est à pied. Ok, mais sauf que là, ça se fait avec les voitures. Heureusement que j'avais amélioré ça du coup aussi. Normalement, je devrais aller plus vite pour en avoir. Ah, par contre, ça va être trop long, hein. Je vais pas tout faire avec. Hein. Je vais l'utiliser un petit peu, mais je vais pas tout faire avec ce truc-là. Hein. Ça va me coûter trop cher. Hein. Surtout que ça enlève un 100% genre direct. Pas le problème, attendez, parce que si je casse trop de trucs... Sinon, je suis pas pressé par le temps. Donc ça... Ok, ça on récupère. Là, je vais remonter un petit peu ma vie. En tuant tous les petits bonhommes. Voilà, le bouclier est remonté. Ah, même le char, je peux récupérer des munitions dessus, vraiment. Stylé. Ouais, non, par contre, c'est trop long hein, de récupérer des munitions, on est d'accord, hein, je pense. Bah écoutez, je vais envoyer ça ici. Ah, faut vraiment que je sois à 100% pour l'envoyer, ok. Bon, je vais au moins les récupérer une fois. Je vais au moins récupérer un 100% une fois pour le renvoyer quelque part et ensuite... Ensuite, je vais repasser sur autre chose parce que sinon ça va être beaucoup trop long. Ok, 65%. C'est pas mal. C'est pas mal, il manque plus grand chose. Un petit peu de chance. 95, allez, plus qu'un. Non, c'est pas le bon. Ah si, c'était bon. Ok. Allez, du coup, je détruis quoi? J'ai dit ça. Oh là là. Ça procure une sensation. C'est vraiment kiffant, en vrai. C'est vrai que ça aussi, déjà, c'était pas mal. Appuyer. Les animations d'explosion, c'est ouf. Bon, par contre, au niveau militaire, il y a quoi à détruire, là? Oula, petit freeze. Oh, il y a ça. C'est vrai, il y a shift pour parer ça. Ok, et ça, effectivement, ça a l'air de me rentrer dans. C'est des genres de mines dans le ciel, là. Un peu spécial. Ok, là, on a des... Ok, hop. Hop. On détruit les missiles. Je détruis tout ce qui est militaire. Comme ça, je peux faire le secondaire tranquillement. J'aime bien les missions comme ça. Il n'y en a pas assez, des missions avec les soucoupes. Donc, je vais profiter un peu, justement, de faire bien le secondaire en même temps. Ça pourrait être cool. Je peux désactiver là? Non, je peux pas. Ok, mais oui, c'est vrai, il faut que je pense à la touche shift aussi. C'est vrai qu'à force de ne pas faire beaucoup de sessions avec la... Là. De ne pas faire beaucoup de sessions avec... avec la soucoupe. Ok, il faut quand même que je me heal. Eh bien, ça peut arriver d'oublier un petit peu les touches, hein, tout simplement. D'oublier certaines touches. Moi, surtout qu'en ce moment, je pense que si vous regardez le nombre de séries que je fais sur la chaîne, vous savez que je joue à tellement de jeux aussi que... Il y a aussi cet aspect-là qui fait que parfois c'est un peu compliqué. Quand je reviens sur un jeu, de me souvenir de toutes les mécaniques ou de toutes les touches. J'avoue que j'oublie quelques petites choses des fois. C'est pas évident quoi, je joue à tellement de jeux par jour que voilà. Ok, bon du coup ça c'est fait. Donc, j'ai repris de la vie. J'ai repris de la vie, il faut que je retrouve des structures militaires. Hey, j'ai toujours un petit freeze quand je viens ici. Il va y avoir un chargement de zone, j'en sais rien. Tout ça c'est pas militaire. Tout ça c'est militaire, mais c'est pas des structures défensives. Ici, je pense que j'ai fait ça. Ça me le récupère ou pas? Aïe, non.
Non, pas de défense militaire. Je vais retourner dans la ville. Il faut que je fasse attention de pas casser trop de choses tant que j'ai pas détruit les structures militaires, justement. La trappe, ça fait quoi, là? Ça ouvre un truc? Non, ça ouvre rien. Je vais voir ça. Ok, ça, je me heal un petit peu. Allez, des défenses dans la ville. Peut-être ici. C'est pas considéré comme une défense, je pense. Ah, j'en entends une. Ah non, c'est un mécan en fait. Ah non, là par contre, c'est un truc, ouais. Je crois que je l'ai détruit sans faire exprès. Ah oui, c'était là. Allez, on va le balancer contre lui. Je vais me heal un petit peu. Ici, défense. Voilà, plus qu'une à détruire. Oh bah, tiens. Elle m'appelle. Elle est où? Attendez, c'est où? J'ai pas compris, ça vient d'où? C'est celui que j'ai détruit qui m'a tiré dessus en même temps, peut-être? Il m'a semblé que ça venait d'un autre côté pourtant. Ah, là pas j'en ai un. Non. J'ai déjà détruit peut-être. Ah ouais, ici par contre. Ok, structure militaire, on est bon. Bon, ça j'ai toujours pas de munitions vu que j'ai rien récupéré. Bah maintenant il n'y a plus qu'à anéantir la ville. Par contre, vous voyez, c'est le genre de mission, ça me parle quoi. On me dit, détruit la ville en fait. Ouais, ça je sais faire. Pas besoin d'être fufu là, on est d'accord hein. C'est vrai que c'est assez stylé parce qu'il y a plusieurs étapes. On voit le feu d'abord qui se propage. Et puis ensuite progressivement bah, c'est des explosions et tout. Par contre là je suis en train de me poser une question. C'est comment ils vont justifier la destruction de la ville. Ouais non, c'est un petit fail. Des études qui ont mal tourné. Rien à voir avec des aliens. Par contre, à mon avis, le fait qu'on fasse ça, ils vont commencer à sortir des gros moyens aussi contre nous. Ok, bah c'est sympa. Je peux pas monter un peu la vue? Non, je peux pas. J'aimerais bien voir un peu plus ce que j'ai détruit. Je commence à avoir les réflexes là, qui reviennent. Je vais me heal. Hop. Ça c'est plus facile à détruire. Enfin, j'aimerais bien voir l'état de la ville à la fin. Moi je pense que dans la cinématique on les verra de toute façon. On verra ça je pense. Bon, faut pas que je détruise tout du coup. Encore heureux parce que ce serait un peu long. Yes. Ok, est-ce qu'il va y avoir une petite cinématique justement qui montre la destruction de la ville ou pas du tout? Pas du tout. Dommage. Dommage, dommage. 2700 récompense quand même, c'est pas mal. Hein, c'est pas mal. Et je l'ai fait à 100% ce niveau du coup, ça fait plaisir. Alors, terreur communiste. Une soucoupe rouge dévaste le centre commercial de Santa Modesta. Ok. Enfin, il parle quand même de soucoupe, donc... Voilà quoi. Alors, le rayon ici. Des tirs intenses augmentent rapidement les dégâts infligés à la cible et peuvent l'enflammer. Mais en fait, c'est juste une amélioration, encore une fois, de ce que je débloquais avant. Et après, ça va mener à quoi? Chaque tir tire deux projectiles secondaires à un angle. Ça va pas être stylé, hein, par contre. Donc, il faudrait débloquer ça pour avoir le dernier. Et l'autre en haut, c'est transforme le rayon désintégrateur en une arme dotée d'une cadence de tir rapide. Ok. Bon, je pense que je vais prendre ça en bas du coup pour essayer d'avoir les alvéoles qui ont l'air assez puissantes. Puis ça peut être assez stylé. Oh oh, nouvelle mission, nouvelle zone. Nouvelle zone, et bien écoutez, ce sera pour la prochaine vidéo, je pense. Non, au final, c'était pas mal. On a fait quelques petits trucs. Par contre, je sais pas si vous voyez l'image, mais ça annonce pas que du bon, je pense. À voir comment ça se passe. Mais à mon avis. Et puis le nombre de flammes, je pense que c'est la difficulté. Donc à mon avis, ça va commencer à être assez complexe. Et puis c'est logique, hein, c'est prévisible. Là, vu ce qui vient de se passer, on vient quand même d'anéantir une ville.
Il est normal qu'il commence à déployer des moyens pour nous avoir. Tiens, d'ailleurs, j'avais pas fait attention, mais il y a marqué 0 sur 25. C'est justement pour les genres de petits drones dont je parlais. J'aurais dû m'en apercevoir avant. J'ai pas été très observateur là-dessus, ouais. Ah, on le voit, 3 sur 50, 3 sur 24. Bon, après, je peux toujours y retourner pour les faire, c'est pas gênant de toute façon, mais bon. Mais ouais, effectivement, il y a ça. Mais écoutez, j'espère que ce petit épisode vous aura plu. Et puis, en tout cas, je vous dis, on se retrouve très bientôt pour la suite de l'aventure.